Missimis. Et je sais que tu découvres là, mais quand même. On y va. Allez, c'est parti. Voilà où on va. Le lac, je ne sais pas si vous le voyez là-bas. Allez. Oula, c'est parti. Tu vas foncer dans l'eau quoi? Et voilà. Et tu peux y aller, j'ai pris une serviette, t'inquiète, vas-y. Allez, viens. On continue la balade, allez. Blue, tu viens. Allez. Continue. Ah, pause pipi. La petite pause pipi. Et ouais. Allez, on repart. C'est parti. On arrive en ville là, on va traverser le village. Donc je te rattache. Tu le sais. Allez. Comme ça. Sécurité avant tout. Avant de traverser Molleville. Allez, je te libère. Allez, file. C'est vraiment magnifique. Les champs de tournesol là, c'est incroyable. Ils sont tous ouverts, tournés vers le soleil. C'est magnifique, hein Blue? Eh oui, bébé. Allez, oui, t'es encore mouillé, je sais. Allez, tu vas sécher comme ça. Allez, vas-y. Un petit peu d'eau quand même si elle en a bu
8 litres et demi dans le lac. T'as vu les bottes de paille? Allez! Tu t'en fous, hein? Tu veux qu'on aille jouer? C'est vraiment une belle journée. On a vu une petite caille s'envoler devant nous tout à l'heure, mais j'avais pas la caméra allumée. Et je pense que je ferai une petite série de vidéos comme ça sur les randos autour de Toulouse, pas très loin. Pour l'instant, je recommande Molleville. Très, très bonne idée. Je l'ai trouvé sur IGN d'ailleurs. Je mettrai le lien de la rando en description si vous le voulez. Il y a un tout petit peu de dénivelé, mais vraiment, c'est un régal. Allez, on prend l'eau. Qu'il fallait traverser avec précaution. Il y a un champ là, non? Wow. Il y a des ronces aussi. Obligé. Et comme vous pouvez voir, elle a déjà séché. Elle est redevenue toute fluffy. C'est bon ou pas? On arrive à la fin de la randonnée. On va débriefer un peu plus loin dans la voiture. Mais pour tous ceux et celles qui sont restés jusqu'ici, déjà merci. Merci, merci. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce. Et juste pour vous dire que vous avez dû remarquer qu'il y avait moins de vidéos ces temps-ci sur la chaîne. Eh bien, c'est normal parce que on a un gros changement qui va arriver début 2025, puisque avec ma femme, nous attendons un heureux événement. C'est prévu pour janvier. Et du coup, ben, on a été très heureux. Et surtout, on a commencé à préparer plein de choses, comme vous vous imaginez. Donc là, ça s'est un peu tassé. Les vidéos vont reprendre tout doucement sur la chaîne, à commencer par celle-ci.
Je vous mettrai quelques images. Ouais, ouais, du son de la première échographie, parce que c'était quand même fort. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se dit à tout de suite pour le débrief dans la voiture. D'eau et puis on va repartir. Voilà, on est arrivé à la voiture. J'arrête la montre. Je sais pas si vous allez voir, on est à un peu plus de 8 km. Il nous a fallu 2h30, sachant qu'on a pris notre temps. On a fait des vidéos avec du drone, etc. Vous allez le voir. On est à donc 70 km de Toulouse. Nous on habite à côté de Blagnac. C'était très agréable. Il y a de magnifiques champs de tournesol. On a vraiment des grands espaces pour que Blue puisse se balader sans laisse. Et en plus de ça, bah, c'est un petit coin reculé. Il y a un très joli village donc à Molleville avec une belle église. Et vraiment un régal avec le lac donc en début ou en fin de balade. Nous on a fait le début parce qu'elle avait chaud après la voiture. Donc là on va se rentrer. On vous dit encore merci d'être resté jusqu'au bout. À très vite.